La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de l'amour à pleines dents de Kelly Keys. D'un côté, nous avons l'histoire de Mélissa, une artiste, compositeur et interprète suisse fraîchement débarquée au Québec pour y suivre son ambitieux petit ami banquier et aussi participer à l'émission Best Singer. Elle est complètement portée par une passion dévorante pour laquelle elle ne fera plus aucune concession, la musique. Elle voit son départ au Québec comme une occasion d'enfin se consacrer entièrement à la musique. Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est de se faire plaquer peu après son arrivée. D'un autre côté, on suit le parcours de Diane Gagnon, propriétaire d'une boutique de cupcakes à deux doigts de sombrer dans une dépression sans fond. Elle vient de tomber de son nuage après un parcours de vie plutôt idéal, le décès tragique de son mari. Au fil des pages, on suit tour à tour ces deux personnages qui ne se ressemblent pas du tout. L'une est vive, dynamique, joyeuse et enjouée et ne se laissant abattre par aucune épreuve. L'autre va de plus en plus mal. En se rencontrant, les deux femmes deviennent amies et complices et réussiront à surmonter les épreuves en s'aidant mutuellement. Tous les ingrédients sont réunis dans ce roman pour passer un bon moment, léger, pétillant, la lecture idéale pour l'été, ou lorsque l'on a un coup de blues. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est présentée par Patricia.